Bonjour à tous, bienvenue dans la zone YouTube. Mon nom est Jérémy Sigouin de la zone musicale. Aujourd'hui, on passe vite fait sur trois overdrive classiques. Fait, pourquoi j'en ai trois? C'est pour voir trois pédales avec différentes saveurs quand même. C'est comme toutes ces pédales-là ont le même rôle dans un pedal board. Ils offrent quand même des petites différences qu'on va aller voir là pour fitter avec vos envies et vos besoins. Ça offre un stade de gain de subtil à moyen intense. Dépendamment des personnes, ça peut devenir très intense. Ça dépend de vous, ça dépend de votre style, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais c'est des pédales qui sont ultra versatiles, toute la gang, qui sont un bon ajout à n'importe quel pedal board. Alors la première qu'on voit aujourd'hui, c'est la classique Ibanez TS9, qui est une Tube Screamer. TS, c'est pour Tube Screamer. Puis c'est la pédale probablement la plus utilisée au monde. Tout le monde a un petit quelque chose de Tube Screamer-ish dans leur pedal board s'ils n'ont pas littéralement une Tube Screamer. C'est le son de 150 milliards de guitaristes sur Terre. Ça fait ses preuves, c'est un coup sûr absolu. Aujourd'hui, on va rien que voir un petit peu l'étendue puis ce que ça donne avec une guitare. Aujourd'hui, je vais juste faire ça avec cette guitare-là. Peut-être dans d'autres vidéos, vous allez me voir m'en servir avec d'autres guitares. Tous les boutons sont à peu près identiques. Là. Ici, on a Drive, Tone, Level, ici, mais assez volume. Alors, on peut s'en servir avec quelque chose de presque éteint, qui est le fun, parce que ça fait juste réveiller un petit peu plus l'ampli. Donc, voici Clean, en fait. Alright. Ce qui est particulier avec la TS9, c'est que, vous allez le remarquer, elle coupe les basses fréquences puis elle augmente les mids pour pouvoir percer mieux dans un mix de band. Donc là, on a fait le volet subtil. Maintenant, on va y aller dans quelque chose de plus intense. Il y a plus d'overdrive, je vais mettre sur le pick-up du bridge, vous allez voir, c'est vraiment déjà plus intense. Elle a beaucoup de dynamique, c'est le fun. Allons-y dans le plus intense. C'était cool. Donc ça, c'était la TS9 de Ibanez. Ensuite, à côté, on a la Super Overdrive, qui est le même type d'overdrive. Par contre, elle a un petit peu plus de gain, vous allez voir. On va faire le même test, où est-ce qu'on a level, qui est volume, tone, qu'on va laisser là au milieu, mais c'est assez versatile, là. Ça veut dire qu'on permet à des fréquences d'apparaître, puis de les couper. Laissons-le au milieu. Puis vous allez voir que est un peu moins clean, mais elle offre beaucoup plus de drive. Donc ça, c'est clean. Ok, si on la monte à moitié à peu près. Et déjà, là, on est dans une bonne overdrive. Si on la monte encore plus. Donc ce qui se passe ici, je trouve, en tout cas à mon sens personnel,
elle a vraiment plus de gains, mais elle a moins d'attaque que la Tube Screamer. C'est vraiment ce qui définit la Tube Screamer de Urbanites, c'est qu'elle a beaucoup d'attaque, elle a beaucoup de kick. Ce que la Super Overdrive, un petit peu moins, mais on a beaucoup plus de gains. Fait que ce que je trouve cool la Super Overdrive, c'est que pour tout ce qui est classic rock, le rhythm, c'est vraiment de la bombe. Tu sais, tout ce qui est... Elle passe vraiment, vraiment bien pour ce genre de part-là. Et la troisième pédale qu'on a ici, c'est la québécoise Dude Screamer, qui elle se fait trahir un peu par son nom, là. Dude Screamer, c'est proche de Tube Screamer, parce que c'est le même genre d'overdrive. Par contre, c'est une version plus moderne, à cause des switches qu'on a ici, OK? Fait qu'on va passer vite fait. On va avoir Volume Tone Drive, qu'on va encore comparer ici. Celle-là, ce qui est le fun, c'est que on va avoir un peu plus de jeu sur le tone avec les petites switches qui sont différents clipping puis un boost. Demandez-moi pas c'est quoi un clipping, je saurais pas quoi vous dire. Par contre, ça s'entend comme différence. On va passer dessus. On va faire le contrôle de drive puis après ça, on va faire les clipping. Donc, le drive. On va partir clean. Qui est dans le même range que les deux autres. On va même un peu plus haut. Ce qui est très cool. Puis ça, on la met vraiment dans le tapis. Elle aussi, elle offre beaucoup de gains. Beaucoup, beaucoup de gains. Ce qui est intéressant, c'est la switch ici. On va commencer avec celle-là qui semble... être une fat switch, c'est-à-dire que quand elle est à gauche, c'est vraiment plus gras, puis quand elle est à droite, vous allez voir qu'on a les basses fréquences coupées comme dans l'original Ibanez. On a quand même moins de coupure que dans la Ibanez. Puis les clippings, vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre chaque. Là, je suis à gauche. Ça, c'était le milieu. Et à droite. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien. Alors, le prix différencie entre ces pédales-là. Ce qui est vraiment le fun, c'est que la Boss Super Overdrive, qui est aussi cool que ces deux-là, qui a son propre range, sa propre couleur, et c'est une pédale en bas de 100$. C'est ridicule. Ce qui veut dire que la qualité n'est pas synonyme de prix élevé tout le temps. Boss sont là depuis des années, c'est tout le temps de la qualité, c'est super, la grosse job. La TS9, c'est le classique Stevie Ray Vaughan. Mais si vous aimez avoir du bottom end, peut-être que la Dude Screamer vous permet d'en ajouter. Fait que vous voyez qu'ils ont vraiment toutes leurs saveurs. À vous de voir ce que vous avez de besoin avec la guitare que vous avez, avec l'ampli que vous avez. Chaque guitare réagit vraiment différemment à ce genre d'overdrive-là. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ici, ou à contacter la zone musicale pour avoir de plus amples détails sur les pédales, que ce soit le prix, les variantes qu'ils peuvent avoir, parce que chaque compagnie a toujours une variante. Les gars sont super fins, sont super au courant de ce qui se passe. Ils vont vous répondre avec plaisir, sinon je les forcerai à avoir du plaisir à vous répondre. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les overdrive, trois overdrive qu'on a à la zone musicale qui sont ultra, ultra intéressants. Et puis, on se revoit pour une autre vidéo avec d'autres articles au service de votre musique. OK. Bye bye.